Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. Là, on est le 20 août, il est 4h du matin, on est en pleine nuit. Pour l'instant, c'est encore les vacances. Voilà, il reste à peu près 2 semaines de vacances avant la rentrée. Malheureusement, on sait que ça va être très dur pour beaucoup d'entre vous, la rentrée. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il reste encore 2 semaines. Sauf que là, Lily Rose, évidemment, elle est en train de dormir parce qu'on est... C'est la nuit, voilà. Il est 4h du matin, elle est en train de dormir. Sauf qu'on va lui faire un petit prank. Je suis avec Peppa Pink, ici présent, juste là. Et en gros, on va lui faire croire que bah, la rentrée, c'est maintenant, qu'elle a oublié de se réveiller et que globalement, il faut partir à l'école tout de suite, sans se changer, sans préparer son sac, tout ça. Donc j'ai préparé un petit truc sur mon téléphone. J'ai changé l'heure et la date. Sur mon téléphone, c'est écrit 2 septembre à 6h30 du matin. Donc c'est le jour de la rentrée pour Lily Rose, le 2 septembre, et 6h30 c'est l'heure à laquelle elle doit se lever d'habitude. Donc quand elle va regarder mon téléphone, elle va se dire eh oui, c'est aujourd'hui la rentrée, ils ont oublié de me le dire. Donc là c'est parti, on va aller la réveiller immédiatement. Allez, c'est parti. Vas-y, j'y vais, je commence et après toi t'arrives en mode allez, vas-y, on y va. Lily Rose, Lily Rose, allume la lumière, allume la lumière, dépêche-toi, vite. Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose. Eh oh, Lily Rose. Quoi? Il faut que tu te réveilles là. On a oublié de te le dire, c'est aujourd'hui la rentrée. Quoi? Lily Rose. Quoi? Attends, dépêche-toi. Mais dépêche-toi là, on a vraiment pas le temps. Il est déjà 6h30. Là, t'es déjà en retard là. Mais c'est une blague. De quoi c'est une blague? Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu hier? Je me suis couchée hyper tard. Bah on pensait que c'était encore les vacances, mais en fait... Mais je me suis couchée il y a à peine 3 heures là. Mais non, mais regarde la date. Regarde la date, Lily. Regarde. 2 septembre et là il est 6h32. Oh, oui, t'as juste pleurer. Non, pleure pas. Bon allez, vas-y, dépêche-toi là, on doit t'accompagner à l'école. Bon les amis, du coup, on va vous faire un petit vlog de rentrée. On va amener Lily Rose à l'école. Oh, tu vas pas pouvoir te changer. Je vais pas aller à l'école comme ça quand même. Mais si, vas-y, mets tes petites chaussures. Voilà. Alors mets ça. Mais c'est pas possible. Oh là là, les petits chaussures. J'avais pris. Oh non, mais là Lily Rose, t'as clairement pas le temps de te préparer. Attends, je pensais qu'on était encore en vacances, genre pendant encore longtemps quoi. Bah nous aussi on pensait, mais là il essaie déjà le prends ton sac. Attends, d'abord on va vérifier ce qu'il y a dans le sac. Vas-y, j'espère qu'il y a toutes les fournitures. Parce que si tu vas à l'école en pyjama, en chausson caca et en... C'est quoi ces fournitures? Mais c'est les seules affaires que j'ai. Non mais tu vas pas y aller avec un cahier... Des stylos, il y a des... Non mais regardez, il y a un cahier... Mais regarde les stylos. Il y a un cahier pop-it. C'est quoi ça? C'est un clavier d'ordinateur en pop-it. Une trousse... Oh, c'est une trousse poisson. Non mais le prof pouvait être hyper énervé. Regarde, c'est que des stylos poilus, des trucs comme ça. Non mais Stéphane, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Le prof il va être hyper énervé déjà que le dernier jour. Je te ferai un mot. Regardez-moi ça. Non, mais tu vas pas me faire un mot le premier jour de la première heure. Oh là là, ça va pas. Bon, vas-y, prends ces fournitures là. Pour le premier jour, c'est pas grave. Tu vas utiliser ça, c'est pas grave. Bon, les amis, là on se retrouve tout de suite dans la voiture. Regardez la dégaine avec laquelle elle va à l'école. Pour le premier jour. Vous êtes vraiment pas gentil. Mais je sais pas, on savait pas non plus. On a totalement oublié qu'on était le 2 septembre. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite dans la voiture. J'espère que ça va aller. Allez, descendez. Bon, ça va, les amis. Le prank se passe très bien. Franchement, je pensais qu'elle allait vraiment être dégoûtée, qu'elle allait commencer à pleurer, qu'elle allait pas vouloir sortir de son lit. Mais finalement, je trouve que pour 4h du matin, elle a plutôt une bonne tête. Bon, c'est pas terminé, les amis, parce que là, on va vraiment l'amener à l'école. Jusque dans la salle de classe, on va maintenir le prank, on va rien dire et on va lui dire une fois qu'elle sera arrivée dans la salle de classe à sa table. Là, je pense que elle va péter un câble. Bon, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour une nouvelle année, Lily Rose. Bon, tout le monde est dans la voiture parce qu'on va être en retard, là. Il est déjà 7h, non, 6h35. Oh là 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 là, le temps d'aller à l'école. C'est pas possible, hein. Franchement, j'ai vraiment des doutes parce que hier, on était le 18 ou le 19 août ou je sais plus trop quoi. Et là, comme par hasard, on est le 2 septembre. Franchement, qu'est-ce que tu racontes? Hier on était pas le 18 août, hier on était le 1er septembre et hier on était le 1er septembre, aujourd'hui on est le 2 septembre. Elle est partie là, le prank est en train de tomber à l'eau. Lily Rose. Non, Lily Rose, là, il faut vraiment que t'ailles. C'est pas possible, vous êtes en train de me mentir, c'est pas possible. Hier, on était le 17 ou le 19, je sais plus du tout. Mais on était mi-août, quoi. Regarde, sur mon téléphone, 2 septembre, et mais là, c'est pas possible, je suis pas folle. Hier, j'ai vraiment vu. Bah, 19 août ou 18, je sais plus. Non, moi aussi, j'aimerais bien que les vacances durent pour toujours. Moi aussi, j'adorerais. Mais là, il faut que t'ailles à l'école.
Ils sont tous en train de t'attendre, je suis sûr. Mais j'ai pas halluciné quand même. Si t'as dû halluciner, Lyros, toi aussi, tu veux que les vacances continuent. Mais on est obligé. Lyros, on est obligé de t'accompagner à l'école, même avec cette tenue licorne et ces chaussons horribles. Mais on a plus de temps à perdre. Allez, vas-y. Vous êtes horrible. Bon, ouais, je t'accompagne à l'école jusqu'au bout, là. Je t'accompagne jusque dans ta classe, comme chaque année. J'espère que ça va bien se passer. Bon, là, les amis, elle commence à avoir des doutes, mais à partir du moment où on arrive dans la classe, pour moi, j'ai déjà gagné le prank, ça va être trop drôle, vous allez voir. Bon, allez, hop, on y va. Pas une seconde de plus de retard, parce que là, ça commence à bien faire. Allez, attachez-vous, attachez vos ceintures, direction l'école de Lily Rose. On est devant la classe de Lily Rose. C'est bizarre, ils ont pas allumé. Il y a personne, en plus, il y a aucun de mes amis, il y a même pas Valentin. Ouais, il y a personne dans la classe, c'est incroyable, ils ont pas allumé, mais je sais pas pourquoi, ils ont pas allumé les lumières de l'école, il y a personne. Tu penses pas qu'il se passe quelque chose de bizarre, je sais pas, hein. Peut-être qu'ils ont oublié aussi la rentrée. Ouais. Je sais pas. Bon, allez, en plus, ça se voit que t'es fatigué, là, t'as dormi 3 heures. Bon, vas-y. Ouvre la porte, on va quand même rentrer dans la classe. Ah bah, c'est bizarre, ça. Bah, c'est vide. Attends, vas-y, va t'asseoir. Pourquoi c'est vide, là? Va t'asseoir à ta place. Mais attends, mais c'est mon cahier de l'année dernière, la classe, elle est même pas encore rangée. Ouais, la classe, elle est pas rangée, c'est ton cahier de l'année dernière, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en plus, les amis, la lumière fonctionne pas, y a personne, le prof est pas là, y a personne, mais même les... Chut, j'entends quelqu'un arriver. C'est peut-être le prof. Ah, monsieur, monsieur, c'est vous? Monsieur? Ah, monsieur, vous êtes là? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait là? Professeur, appelez-moi, mais c'est quoi ça? J'étais venu pour ranger la classe, là. Monsieur, ah, c'est la rentrée. Là, Lily, c'est bizarre. Bah, c'est la rentrée. T'es pressé de venir? Bah, c'est la rentrée, non? Bah, non, la rentrée, c'est dans 10 jours. Et ouais, c'était un prank. C'est une blague, tu m'as menti, je le savais. C'est un prank. Mais Lily Rose, voyons, là, on est encore en août, c'est les vacances pendant encore 2 semaines. Je te déteste, j'aurais pu dormir encore longtemps et profiter de mes vacances, c'est bon. Oh non, pars pas comme ça. Elle part. Elle l'a mal pris. Bah, c'est normal, on fait pas des blagues comme ça à sa sœur. Oh non, c'est trop marrant, je suis désolé. Les vacances, c'est précieux, c'est sacré quand même. Ah oui, les vacances, c'est... Bah, qu'est-ce que vous faites là si c'est précieux, les vacances? Je suis venu préparer la classe. Ah, vous êtes venu préparer la classe? Bah oui, regardez, elle a ramené ses affaires en plus. Ah oui, bah là, par contre, vous allez voir ses fournitures scolaires. Elles sont incroyables, hein, cette année. Elle bon, il y a moyen qu'elle vienne en pyjama aussi, parce que vu toutes les affaires qu'elle a achetées, elle a acheté que des fournitures incroyables mais vraies, hein. Bon, j'espère qu'elle va être meilleure que l'année dernière en tout cas. Bon, attendez, je vais la voir. Ah, Lily Rose. Bon, on est de retour à la maison. On a coupé la caméra sur le trajet pour revenir, tout ça. J'ai dit au revoir à Monsieur Foufou, le prof. Là, il est 5h du matin. On est rentré. Regardez-moi ça. Lily Rose, elle est dingue. Elle me parle plus. C'est simple, elle me parle plus. Elle fait le challenge 24h, je parle plus à mon frère. 24h, je boude. 24h, ça va pas. Il est même pas 5h du matin, il est 7h. 7h du matin maintenant. Ouais. Bon, les amis, je pense qu'on va arrêter ce prank ici. Elle va aller dormir et profiter de ces 10 derniers jours de vacances. Comment ça s'est passé cette première journée de... Bon, bah non, mais là, on va plus lui parler. Bon, les amis, on espère quand même que ce petit prank, cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait très plaisir. Ouais, là, je comprends. Oh. La pauvre.